Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed premier du nom, donc pour l'épisode 3. Donc un petit récapitulatif avant de continuer l'aventure. Donc je vous rappelle que la dernière fois du coup on avait été déchu de notre rang de maître assassin. Et donc du coup on doit repartir en tant que débutant, en sachant que là entre deux on a réussi une mission de renseignement, ce qui nous a permis de réobtenir quelques armes quand même. Donc notamment notre épée et notre lame secrète. Donc c'est déjà un peu mieux qu'être à poil, hein, clairement. Donc du coup on a été revoir Al-Mualim pour savoir du coup qui était le fameux traître qui a ouvert la porte. Et il nous a expliqué qu'en fait il y a 9 cibles en tout à éliminer pour le bien de tous en fait, tout simplement. Et ce qui est en fait tout simplement l'objectif du jeu finalement, puisque une fois les 9 cibles atteintes, entre guillemets, on arrive à la fin du jeu. C'est un peu comme ça que ça se fait. Donc du coup là on va sortir de chez Al-Mualim et on va devoir quitter Masyaf puisque on doit se rendre à Damas pour nous occuper d'un certain Tamir, je crois. Donc avant tout ça, faudra qu'on se dirige à Damas et qu'on aille à la cellule des assassins sur place, au QG des assassins local, quoi, en gros. Donc voilà, donc on va sortir d'ici, mais on aura sûrement une phase de tutoriel. Alors merci la caméra qui bug dans le décor. Il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Bah écoute, vas-y, puisque tu m'y obliges de toute façon. Alors, parade. Voilà, hop. Donc maintenant, R1 enfoncé. Il s'agit d'une question défensive, oui. Ok, on va attendre, voilà, attaquer maintenant. Allez, tape un coup. Quand tu veux. Bon, on va le faire lui-même hein, parce que sinon ça va prendre 10 ans. Bon, ça c'est un truc qui m'a toujours saoulé dans les tutos d'Assassin's Creed 1, c'est que même dans le 2 d'ailleurs aussi, c'est les moments où ils disent de faire un truc, tu le fais mais il se passe rien en fait. Donc ok, un coup de grâce, appuyer sur carré, je ne fais que ça. Bon, écoute, on va te saisir, voilà. Ça sera peut-être plus simple. Je vais te tuer. Non, ça se termine pas, il veut pas faire de coup de grâce. On va laisser se relever, vas-y. Ah bah voilà, tiens, j'y croyais plus honnêtement. C'est un truc de ouf. Alors appuie sur carré pour attaquer. Putain, ils doivent refaire la même chose. Quelle maîtrise. Voilà. Encore? Bon, j'en refais un et puis après on arrête. Regarde. Voilà comment nous devrions tous combattre. Eh bien. Alors faut savoir qu'on peut se barrer aussi du tutoriel, mais bon, je me suis dit, on va jouer le jeu quand même, on va pas être méchant. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible par moment. Mais bon, quand ils nous obligeront, je jouerai le jeu, mais j'irai pas plus loin que ça. Quoi. Je comprends. Tu es très occupé. Le temps joue contre vous. Que votre première attaque soit aussi la dernière. Voilà, ils continueront de s'entraîner sans moi. Donc je vais partir d'ici moi. Et donc là du coup on va visiter un petit peu le royaume comme il l'appelle, c'est comme ça qu'il l'appelle, à partir du moment où on quitte Masyaf, en gros qu'on quitte une ville, parce que les autres villes ça sera aussi pareil, et ben celles-ci sont reliées entre elles par des grands paysages qu'on peut visiter en fait. Et on aura l'occasion d'utiliser un cheval justement pour nous déplacer.
Et dans différentes zones, bah, on croisera des petits villages, des petits hameaux vraiment perdus avec 3-4 maisons, des petits clochers, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment le côté vaste en fait qu'ils veulent mettre en avant dans ces zones-là en fait. Donc je vais rebondir sur un autre truc que j'avais dit en fin de vidéo précédente. C'est que je vous avais dit qu'il y a certaines similitudes, notamment à tout ce qui est escalade, parcours, qui est assez proche en fait des Prince of Persia. Et ce n'est pas pour rien, puisqu'en fait à la base, si Assassin's Creed est né, c'est que c'est parce qu'à la base c'était un projet pour faire un Prince of Persia. Faut le savoir. Donc en fait, de mémoire, je crois que le jeu devait s'appeler Prince of Persia Assassin, ou Assassin sous-titré Prince of Persia, un truc comme ça, où on incarnait pas en fait le prince de Perse qu'on incarne habituellement dans la plupart des volets, voire même dans tous les volets, je pense, en tout cas tous les principaux. Et donc là, c'était une espèce de spin-off en fait, on incarnait un assassin tout simplement. Et puis finalement, le projet a déroulé sur une autre histoire, il y a eu tout un background qui s'est fait avec l'histoire des Assassin's, comme vous avez parlé dans la vidéo précédente. Et ce qui a donné vraiment un jeu avec une entité unique qu'on peut voir donc dans celui-ci avec le nom Assassin's Creed. Et du coup, donc ce projet ensuite avait pour vocation en fait de devenir à la base, je dis bien à la base, hein, parce qu'après il y a plusieurs informations qui font croire que autrement, mais moi faut savoir que à l'époque du coup, vu que j'avais découvert le jeu à son époque, j'ai vraiment suivi le truc, et dans les interviews, il y avait Patrick Dessilé, notamment, qui est vraiment l'une des grandes figures d'Assassin's Creed, qui ne bosse plus d'ailleurs pour Ubisoft, encore quoique, parce qu'il y a un moment, en fait, il ne bossait plus pour eux, mais le studio dans lequel il bossait s'est fait racheter par Ubisoft, il y a une connerie comme ça. Donc actuellement, je ne sais pas si vraiment il bosse avec Ubisoft, mais en tout cas, il ne bosse plus sur les Assassin's Creed depuis, de mémoire, je crois, c'est le 2 ou Brotherhood, je crois qu'il est parti. Si je veux pas dire de bêtises. Enfin, si je dis pas de bêtises, en tout cas. Et en fait, ça, c'est vraiment la figure principale, je dirais, des anciens, en tout cas, Assassin's Creed. Tout comme il y a d'autres figures importantes dans l'industrie, comme, je sais pas moi, Hideo Kojima, par exemple, pour Metal Gear Solid, ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, du coup, à la base, donc, ce Patrick Dessilé, dans une interview, avait dit que normalement, les Assassin's Creed étaient prévus pour devenir une trilogie, en fait. Sauf que, même si vous ne vous intéressez pas forcément à la série, et vous regardez un petit peu l'actualité jeux vidéo, vous savez qu'on est loin des 3 épisodes, hein, puisque depuis, il y a eu Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation, Assassin's Creed 4, Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Syndicate. Et là, depuis peu, il y a aussi Assassin's Creed Origins. En sachant aussi que à côté, il y a d'autres jeux, notamment un épisode sur PSP qui est Assassin's Creed Bloodline, auquel j'ai joué, ce qui raconte en fait les aventures après Assassin's Creed 1, donc toujours avec Altaïr, alors que Assassin's Creed 2, ça se passe à l'époque de la Renaissance, avec un autre personnage qui s'appelait le... mince, comme par hasard, j'ai pas son nom qui me vient maintenant. Ezio, voilà. Ezio Auditore da Firenze, comme il dit, donc de Florence, en français. Auditore de Florence. Donc qui lui regroupe la trilogie, en fait, de Brotherhood et Révélation, en fait. Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, c'est avec le même personnage, mais après à des âges différents, en fait, tout simplement. Et puis après, bon, il y a d'autres personnages bien plus tard. Mais tout ça pour dire que finalement, la trilogie, on en est loin, quoi. Parce qu'après, il y a eu aussi d'autres jeux, hein. Il y a eu notamment Libération, qui passe à peu près à la même période qu'Assassin's Creed 3, je crois. Ou après, ou un peu avant, mais en gros, c'est à peu près dans le même contexte. Sauf que cet épisode-là, à la base, est sorti sur PlayStation Vita. Et après, il est ressorti en version HD sur PS3, PC, et sur ma Xbox 360, j'imagine. Et il y a eu aussi d'autres produits dérivés, hein, mais rien que dans le jeu vidéo encore, il y a eu aussi les Assassin's Creed Chronicles, qui sont en fait des jeux très orientés plateforme 2D en fait, ou 2,5D si vous voulez, avec un côté un peu profondeur des fois, mais il y a eu 3 épisodes du coup, à savoir China, Russia et India. Donc ça correspond à chaque pays en fait de où ça se passe l'intrigue, donc en Chine, en Russie et en Inde. Et à côté de ça, faut savoir qu'il y a une grosse mythologie du coup Assassin's Creed,
où il y a pas mal de produits dérivés, avec notamment des bandes dessinées, des romans qui reprennent les jeux mais qui les étoffent beaucoup plus, et des bandes dessinées aussi du coup, comme je disais. J'ai déjà eu l'occasion d'en feuilleter comme ça, quelques pages comme ça dans les magasins. Ça a l'air d'être plutôt sympa, honnêtement, mais je m'y suis jamais intéressé, mais voilà, c'est, il y a vraiment un background méga développé, et puis il y a aussi eu récemment un film, donc un film live avec des vrais acteurs et tout, qui était sorti, je crois que c'était fin d'année dernière, il me semble, ou début de cette année. Non, je crois que c'est fin d'année dernière, si j'ai pas de conneries, donc fin 2016, du coup, je crois. Si je dis pas de bêtises, donc voilà. C'était pour l'histoire de rappeler un petit peu l'origine d'Assassin's Creed et donc de son objectif à la base qui était de faire 3 jeux, mais c'est un petit peu dépassé. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on lui reproche, enfin ce qu'on lui a reproché en tout cas jusqu'à maintenant, parce qu'après pour Origins, au moment où je tourne, c'est beaucoup trop tôt pour dire si vraiment la série est relancée. Il y a beaucoup de sites de jeux vidéo, de tests et tout qui sont tombés. Et il montre que vraiment ce jeu-là est très très bon, il n'y a pas de souci. Mais après, est-ce qu'il y aura un avant Assassin's Creed Origins et un après Assassin's Creed Origins, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas, si on ne compte pas ce Origins qui vient de sortir, la série était un petit peu en... partait un petit peu en couille dans le sens où, à vouloir sortir des épisodes chaque année, ce qu'ils ont abandonné en fait à partir de Syndicate, vu les retombées. Ils ont décidé de faire un an de pause en fait. Donc il y a eu 2 ans entre Syndicate et Origins. Mais avant, à partir de Assassin's Creed 2, en fait, ils ont décidé de faire un épisode chaque année. En sachant que c'est toujours différents studios qui bossent dessus, bien entendu, sinon ce serait impossible de produire autant de jeux en si peu de temps. Mais disons que la qualité a un petit peu baissé et il y avait pas mal de bugs, des choses comme ça qui ressortaient. Au fur et à mesure des épisodes, surtout Unity, c'est celui qui a le prix le plus cher, je dirais, en termes de renommée, en fait. Après, voilà, hein, les bugs, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça dépend de chaque joueur, de chaque partie, entre guillemets. T'as la chance ou pas d'en subir, donc il y en a certains qui disaient, bah non, moi j'ai jamais eu de bug sur Unity, donc tant mieux pour eux, mais c'est vrai que majoritairement, en tout cas, il y a eu pas mal de bêtises en tout cas faites sur le Unity qui est sûrement sorti un poil trop tôt, quoi, je dirais. Après il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, hein. Il y a par exemple le héros qui n'est pas charismatique ou l'histoire qui n'est pas intéressante, mais ça ce sont des choses qui sont plus subjectives, je dirais. On a chacun notre point de vue là-dessus et il y en a très bien qui peuvent aimer tel personnage et moi je ne peux pas l'aimer par exemple, donc c'est encore autre chose. Mais en tout cas, en termes de finition, c'est clair que c'était revu à la baisse au fur et à mesure des années, en fait, tout simplement. Donc, ils ont bien fait de faire cette petite pause, je pense, et de repartir sur de bonnes bases, on va dire. Donc, du coup, il y a 3 chevaux. Alors, moi, je vais prendre le blanc, en n'importe lequel, hein, mais après tout, c'est par rapport à mon costume, je trouve que c'est un peu mieux. C'est uniforme, quoi, disons. Donc voilà, et du coup on va pouvoir se promener avec ce dada, tout simplement. Donc on peut courir avec, hein, vous voyez. Donc on va quitter cette zone, et on va arriver donc dans le royaume. Donc en sachant qu'il y aura un temps de chargement entre les deux, il y a toujours des petits portails pour nous dire que voilà, on arrive à la fin de la zone en fait. Là, il y a même la musique qui change un peu. On peut voir un petit peu le paysage avec les reflets d'eau. C'est vraiment sympa, hein, j'aime beaucoup. Même si aujourd'hui, ça paraît un petit peu épuré, parce que dans le sens, on voit la roche. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça fait quand même bien le taf. Hein. Il y a une ambiance, il y a des particules, une espèce de... comment dire... de pollen qui vole. Enfin, il y a vraiment un souci du détail au niveau des ombres et tout. Voilà, quoi. Ils ont fait ça bien, c'est vrai que le premier Assassin's Creed était, comme je vous disais, une claque. En tout cas pour ma part, et c'est vrai que... on sentait vraiment l'arrivée de la next-gen de l'époque. Parce que la next-gen de l'époque, c'était PS3, machin, quoi. Ce n'était pas, bien évidemment, la PS4 et la Xbox One, pour le coup. Alors il me semblait qu'il y avait une coupure pour le chargement, mais à moins que ça soit là-bas... C'est que quand on arrive proche des villes, mais en tout cas, il me semble qu'il y a un moment, en tout cas, où ça coupe.
Ah, ça doit être là, je pense. Non ? Toujours pas. Étonnant. Je me suis peut-être trompé, mais il me semblait que c'était là. Ah, ça y est. Quand on voit que la caméra s'éloigne, c'est que c'est plutôt bon signe. Si vous êtes repéré, bousculez les gens qui se trouvent sur votre chemin pour ne pas être ralenti. Et sprintez. Voilà. Donc là, du coup, on arrive dans leur royaume. Donc on a quitté, en gros, Massia. Et donc on va voir, c'est très rocailleux hein, dans la zone, pour le coup. Voilà, on a une petite vue avec la caméra. Donc on a nos collègues assassins. Mais après, il y aura certaines zones où il n'y aura pas du tout d'assassins, en fait. Il n'y aura que des templiers, ou des hospitaliers, des choses comme ça. Et donc du coup, faudra faire profil bas, pour le coup. Parce que si on se la joue agressive devant une armée, doutez bien qu'ils vont pas nous laisser tranquillement... tout le bordel en quelque sorte. Donc là il y a une espèce de tour et on va pouvoir faire donc le fameux point d'observation, parce qu'en fait ces tours là consistent à être en fait simplement des points d'observation. En fait, à quoi servent les points d'observation? On peut le voir là, la minimap en bas, il y a une petite aigle qui clignote. C'est qu'en fait sur la carte, quand on accède à la carte qui est ici, là vous voyez Altaïr est là, mais il n'y a rien en fait, c'est fou, on voit que dalle autour. Et tant qu'on n'a pas activé le point d'observation, on ne voit pas en détail la map, en fait, et ses différentes activités sur place. Et donc, à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle zone, comme ça, l'idéal, c'est toujours de prendre le point d'observation d'abord, et ensuite, ça permettra de débloquer les différentes quêtes ou les activités à faire sur place, quoi. Donc, on voit en même temps où est Damas. Apparemment, Damas est par ici. Donc on pourra céder en même temps de cet endroit-là éventuellement pour aller à Damas. Donc là pour l'instant du coup je vais grimper sur le point d'observation. Et du coup on va pouvoir se synchroniser en haut pour avoir un point de vue global de ce qui se passe autour en fait. Donc ça c'est une spécificité aussi qu'il y a depuis le début d'Assassin's Creed et qu'on retrouve dans chaque jeu. Qui consiste en fait à chaque fois à grimper sur le bâtiment le plus haut du secteur en gros ou de la zone quoi. Et ensuite de synchroniser pour afficher toute la map. Et puis à chaque fois, il y a un petit travelling de caméra qui tourne autour de notre personnage de loin. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà. Donc du coup, on a un petit peu une vue d'ensemble en même temps sur la zone quoi, et donc là on peut voir maintenant à la minimap, normalement, hop, voilà, ce n'est plus flou. Alors ça n'a pas éclairé grand chose, hein, évidemment, j'en ai conscience. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on voit des petits aigles, hein, c'est des points d'observation, donc il y en a partout hein, sur la map. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et une fois qu'ils seront tous activés, bah, on verra le chemin comme il faut, comme on le voit actuellement en fait. Tout simplement. Et donc à partir d'ici, on peut faire le saut de l'ange. Enfin, le saut de la foi, parce que je dis saut de l'ange, parce que c'est vrai que c'est l'appellation en fait qu'il y a dans Tomb Raider. Parce que si vous vous rappelez, dans Tomb Raider, Lara Croft peut aussi faire le fameux saut de la foi, ou le saut de l'ange pour le coup. Parce que je crois qu'on l'appelle souvent aussi le saut de l'ange. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est spécifique à Assassin's Creed de l'appeler le saut de la foi, je crois. Me semble. Donc voilà, du coup, on nous explique un petit peu la carte avec le GPS qu'on peut ajouter un marqueur, en fait, pour nous dire où on est. Donc par exemple, là, il y a un marqueur, ici. Mais Ne recommence pas. Ah oui? Sinon quoi? Tu vas m'attaquer? Regarde un peu où tu vas. Mais du coup, oui, le marqueur, après, on peut le retirer. Placer marqueur, on peut le placer, je sais pas, on peut le placer là, par exemple, vous voyez. Après on fait ce qu'on veut quoi, un marqueur c'est comme son nom l'indique, ça sert à marquer, on fait ce qu'on veut avec quoi. C'est juste pour nous guider un petit peu, mais globalement on sait parce que de toute façon il n'y a pas 36 000 chemins, comme vous voyez ça reste assez linéaire. Après des fois on pourra tourner à gauche, à droite, des choses comme ça. Mais après voilà c'est pas... Enfin on peut pas vraiment se perdre honnêtement, voilà quoi. Et surtout qu'en plus si vous regardez par rapport à notre objectif, c'est toujours marqué le nombre de mètres, en gros, qui nous reste à parcourir. Là, on est à 194 mètres. Donc, vous voyez, dans cette zone-là, apparemment, on nous regarde de manière suspecte. Donc, eux, ça doit être des... Ça doit être des sarrasins, ça. Donc, vous voyez, il faut mieux marcher tranquillou devant pour pas leur déclarer la guerre. Puis après, hop, on repart, quoi.
Donc comme ça, à certains endroits, du coup, on découvrira des armées comme ça qui sont postées temporairement sur place. Donc là, on voit les différentes... Il y a une espèce d'obélisque qui sert de panneau, en fait. Et qui nous dit, du coup, à gauche, il y a Damas, et à droite, il y a Acre, tout simplement. Et donc, du coup, nous, on doit aller à Damas. Donc là, c'est marqué, du coup, Damascus. Ça doit être écrit en latin, peut-être, je pense. Mais, du coup, oui, en français, nous, on dit Damas, pour le coup. Mais à moins que ça s'appelait Damascus à l'époque, mais... Ça, je ne pourrais pas vous dire exactement. Vous voyez, il y a des panneaux un petit peu partout, donc faut le vouloir en fait pour se perdre encore une fois. C'est un petit peu compliqué. Donc là, vous voyez, il y a un petit village ici par exemple. Donc on voit le drapeau, ça c'est un drapeau sarrasin avec le fameux croissant et la petite étoile. Donc si on va sur place, techniquement, alors je vais mettre en mode érudit, on va voir. Et si je rentre là, à mon avis, je pense que je vais avoir des problèmes. Parce que ça doit être leur base militaire, pour le coup. Et ça m'étonnerait qu'ils me laissent rentrer. Mais je vais juste tester pour voir. Ah, apparemment, ça ne les dérange pas. Mais si j'enlève le mode érudit, je pense qu'ils vont pas apprécier que je reste là. Je teste un petit peu pour voir. Parce qu'en même temps, il y a des drapeaux à choper. Même si, clairement, dans le Wakfu, j'ai aucune envie de les choper. Voilà, donc ça, il cherche la merde. Vas-y, chope les drapeaux vite fait. Oula, ça y est, ça commence à se vénérer, on va se barrer d'ici. Au revoir. On va essayer de choper un cheval le plus long, peut-être. S'il y en a un là. Ou au pire, oui, je peux grimper là. Je vais en profiter pour prendre le point d'observation. Donc là, ils vont pas me laisser tranquille, hein, par contre. Et des fois, ils prennent un peu de temps à réagir. Et c'est vraiment là qu'intervient tout ce qui est truc pour prendre la fuite, en fait, parce que... Merde. Je me suis chié. J'ai un peu la pression, je vous le cache pas, parce que normalement, ils nous jettent des trucs au bon moment. Pour nous empêcher de grimper. Voilà, j'ai intérêt à me bannir, hein, pour pas se tomber, parce que si je tombe, là, j'ai très très mal. Hop. On grimpe tout en haut, comme ça on me fout la paix. Et après du coup on pourra synchroniser et puis après se cacher dans le tas de fond. Donc là on a vraiment une grosse vue. Hein. Là, vous voyez, c'est en relief, il y a des falaises un peu partout. Et donc moi je viens de là-bas pour le coup. Donc je vais me synchroniser ici. Hop. Donc c'est là qu'on voit vraiment la taille de la map, qui est quand même assez grande. Hein. Et notre côté minuscule en fait dans celle-ci en fait. Même si bon, soyez honnêtes aussi, hein, ça se visite quand même assez rapidement. En tout cas à cheval, parce que c'est vrai que si on commence à y aller à pied, c'est une autre histoire. Mais... Et voilà. Donc voilà, du coup j'ai attendu un petit peu, fallait attendre que les soldats me foutent la paix. Donc ça c'est fait. Du coup maintenant j'ai plus qu'à prendre un cheval et on va reprendre la route. Donc il y a toujours le petit bruit hein, quand ça clignote comme ça en haut en fait. Au niveau de la synchronisation, il y a toujours le symbole avec le petit œil jaune ou rouge selon les états des ennemis. Mais après, on va pas trop leur chercher la merde, même si là encore une fois je voulais pas, mais ça s'apparençait. Mais du coup, on va essayer de les fuir et puis avancer vers Damas. Alors j'espère que je suis en bonne voie. J'ai regardé la map quand même. Parce que là c'est un petit peu... Un petit peu le bordel. Attendez, parce que moi je suis dans cette direction, là je suis pas bon. Hein. Si je vise par là, faut que je retourne en arrière. Hop. Donc là normalement c'est comme ça. Je vais peut-être mettre le marqueur pour m'aider un peu. Ouais c'est ça. Donc je vais juste mettre un marqueur là pour le virage. Et voilà. Donc c'est parti. Par contre, là, je peux pas passer par ici. Tu ne vas pas fuir toute ta vie. Comment je vais faire? Aïe. Là, en enfoiré, il y en a un qui a dû me shooter quelque chose. Je vais y aller en courant. Il y a peut-être moyen de sauter une botte de foin, une connerie comme ça. Parce que là, c'est un peu la misère. Je me rappelle pas trop de la map, du coup. Ah. C'est bon. Au revoir. Alors là, le saut était très violent, clairement. Donc j'ai pas pu me planquer parce que je les ai pas
Je les ai pas perdus de vue en fait. Donc là c'est bon, on va essayer de fuir. Je vais essayer de me planquer là, vu qu'il me voit plus. Allez, cache-toi. Voilà. On va attendre un peu. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Allez, on est reparti. Donc ouais, faut éviter d'être au galop en fait devant eux, quoi, parce que sinon ça fait genre le mec un peu pas gentil, agressif, quoi, mais bon, c'est pas ce que je voulais, hein, je suis gentil, mais... Je suis un assassin, ok, mais... Oh, sérieux? Attends, j'essaie de pas marcher vite, mais tant pis. Bon, on va les esquiver, hein, parce que sinon on n'est pas rendu. Donc vous voyez un petit peu, du coup, les enclos par-ci, par-là, les postes de garde des soldats et tout, enfin... Il y a vraiment une certaine volonté, voilà, de retranscrire un petit peu l'espèce de campagne entre villes, quoi. Ce qui est plutôt sympa, du coup. Donc, du coup, Damas, on y vient. C'était marqué quoi, là, sur le panneau, sinon? Parce que là, les mecs n'ont pas calculé. Ah, c'est la Jérusalem. Laissez-moi. Je m'en vais. Pauvre cheval, là, il a dû avoir mal aux gens. Allez, on est en bonne voie. Alors, apparemment, il y a un petit drapeau ici. On va essayer de le choper. Hop, voilà. Un petit lac. Donc après, bien entendu, je pense que l'échelle de géographique n'est pas correspondante à la réalité. Dans le sens où on prend pas si peu de temps pour voyager entre Massiaf et Damas. Je pense que ça va de soi, hein, mais bon. Ouh là là, il y a une armée, mais je vais quand même tenter de grimper. Histoire de prendre ce poste d'observation. On part même calcule pas, donc ça va. Parce qu'il y a aussi des archers dans le jeu, alors c'est assez rare, c'est plus souvent un boss en particulier d'ailleurs, qui est assez casse-couille. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là, mais ouais, il y a quelques archers des fois, donc faut faire gaffe quand même, parce que même si bon, il y a les cailloux qu'ils envoient, ils sont pas trop précis, mais les archers en général, ça fait bobo. Voilà, on est en haut. Toujours un petit aigle planqué au-dessus. Et on se synchronise. Donc là, apparemment, on est vraiment en plein territoire sarrasin. Il y a des pelotons un peu partout, c'est un peu la merde. On va éviter de rester trop longtemps. Là, ça va, il y a un petit cheval à côté. J'attends que ça se termine. Voilà. Allez hop, on s'en va. Pas rester plus longtemps. Donc ça va, ils ont pensé à mettre des choix un petit peu partout parce que c'est clair que si on en a pas un sous la main, c'est un petit peu gênant. Et donc du coup, on va pas tarder à arriver à Damas. Du coup, on va avoir une vue sur la ville, ça va être sympa. Vous allez voir ça. Alors apparemment il y a encore un point d'observation ici que je vais prendre volontiers, bien entendu. Alors je sais pas dans quel camp je suis là, c'est toujours les Sarrasins apparemment. Donc du coup les Sarrasins qui sont dirigés en fait par Saladin, tout simplement. Ah, ça c'est un Templier. On va s'en occuper, il est tout seul. Voilà. Premier Templier assassiné, donc vous voyez ils sont bien spécifiques, hein, ils ont leur casque et tout. Donc il était tout seul planqué là, il tenait pas trop à la vie je pense, hein, pour être planqué comme ça derrière la grande tour. Mais ouais, du coup, oui, Saladin, c'est lui qui gère l'armée donc du coup des Sarrasins, et de l'autre côté en fait c'est Richard Cœur de Lune à ce moment-là. Donc après il y a Robert de Sablé, mais bon, Robert de Sablé c'est quelqu'un de... moins important en fait, c'est peut-être un bras droit ou quelque chose comme ça, quelque chose de similaire. Oh merde! Et c'est le game over.
Je voulais pas du tout faire ça. J'ai appuyé sur croix sans faire exprès. Altaïr a eu un peu mal aux jambes, je crois. À vérifier. Ça va me TP où du coup? Où suis-je? Je suis à côté, ça. Ah bah en fait, je suis juste là où j'ai tué Tampin, comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on récupère un drapeau, qu'on tue un Templier, ou des choses comme ça qui sont secondaires, ça fait une sauvegarde. Donc, bah c'est cool. Ça permet d'éviter de se retaper tout un chemin. Donc là, on entend une musique typiquement orientale, pour le coup, qui rappelle vraiment les musiques un peu épiques des Prince of Persia. Donc on en profite, parce qu'on l'entend assez rarement, celle-là, en plus. Alors par contre, je suis con parce que j'ai oublié de me synchroniser avec cette connerie. Excusez-moi, je ne fais que passer. Là, j'enchaîne les boulettes, pour le coup. Je vais juste me mettre à l'abri. Voilà. Ça va être bon, je pense. Et on regarde. Décidément, désolé, j'ai chié dans la colle, mais voilà, cette fois je penserai à me synchroniser. C'est pas forcément obligatoire à certains endroits, je vous le dis, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais bon, je veux dire, là je suis sur le chemin, autant me synchro, quoi. On va faire les cons, quoi. Allez, on va y arriver. Puis en plus, l'aigle à chaque fois il se barre, il revient, tu sais. En avoir ras le cul, je le dérange, le pauvre. J'en fais pas exprès, hein, vraiment. J'insiste. Voilà. Et donc là, maintenant, je peux faire le saut de Napo. Donc là, il y a 4 points d'observation sur 12. Atteints dans le royaume. En sachant aussi, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais ça dépend des zones où on est aussi. Là, c'est dans le royaume, mais ça compte peut-être pas ceux des villes, parce que ceux des villes, il y en a beaucoup aussi. Il y en a avoir, je sais pas, 5-6, si c'est pas plus. Il y en a peut-être plus, hein, mais c'est un peu fini. Hein. Alors, excusez-moi, je vous vole un cheval, merci, au revoir. Oui, je ne suis pas qu'un assassin, je suis aussi un voleur, ça fallait savoir. J'ai évité de rester trop longtemps ici. J'ai l'impression d'être un peu mal aimé parmi les Sarrasins. Je me rappelle que dans les jeux Vampire 2, ils prétendaient être un peu plus sympathiques avec les voyageurs, quoi. Mais les assassins, ils ont pas trop dans leur cœur, j'ai l'impression. On doit être un peu cramé avec notre capuche. Vous pouvez éliminer quelqu'un en lançant un couteau, en le poussant du haut d'un toit ou en l'assassinant discrètement. Donc il y a toujours la petite voix qui nous sert à faire des tutoriels durant le... cette petite séquence de chargement. Parce que du coup, il damasse forcément quand il y a des grandes villes comme ça, bah, il y a toujours des chargements pour afficher la map. Donc là, on en voit un petit aperçu. Avec un grand minaret. Alors, faut savoir que, historiquement, d'après ce que j'avais vu, c'est qu'à ce moment-là, de mémoire, il n'y avait pas de minaret, en fait. Ils ont été après. À moins que c'est pas cette ville-là, il y a peut-être des villes où on avait déjà, mais de ce que j'avais vu, parce qu'en fait, il y a toujours des petits ajustements au niveau historique. Hein. Des fois, ils se permettent quelques libertés, les développeurs. C'était le cas aussi plus récemment dans Syndicate, où par exemple, il y avait déjà le chemin de fer, alors que ce n'était pas le cas au moment de l'histoire de Syndicate. Normalement, il n'y a pas de chemin de fer à ce moment-là. Je sais pas s'il n'y en a pas tout court, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'y en a pas. Et du coup, bah voilà, ils ont fait un jeu néo-rétro, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça se passe dans le passé, mais il y a déjà un truc du turfu qui est arrivé, le chemin de fer, quoi, en gros. Et là, pour l'histoire des minarets, j'avais entendu que, en fait, normalement, il n'y en a pas. Mais vu que les minarets, en fait, dans ce jeu, ont surtout pour vocation de servir de point d'observation, on peut comprendre cette volonté d'en mettre, en fait. Donc voilà à quoi ressemble la ville. Elle est juste énorme, clairement. Donc on ne pourra pas forcément tout visiter d'un coup, il y aura certaines zones qui sont restreintes, des grosses zones, et au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, on pourra aller à d'autres endroits. Mais on peut voir que c'est assez violent quand même. Donc on va éviter de faire tomber ces gens avec leur jarre. On va essayer d'être sympatoche.
Donc ça, apparemment, c'est une ville sous les Sarrasins, pour le coup. Alors que Acre, de mémoire, est une ville sous les Templiers. Ou les Hospitaliers, du coup. Parce que j'hésite un petit peu entre les deux, parce que... Techniquement, c'est un petit peu la même chose, sauf que... Enfin, de mémoire, je crois. S'il y en a qui sont bons en histoire, me corrigeons, putain, mais... Il me semble que c'est très similaire, en fait. C'est juste que les Templiers, c'est un petit peu le... Ceux qui ont plus de pouvoir, quoi, en gros. C'est un petit peu l'élite. Mais globalement, Templiers Hospitaliers, c'est à peu près pareil, quoi. De ce que j'en sais. Mais... C'est nous, les enfants de Dieu. Alors des fois, il y a des gens comme ça, des innocents qui se font agresser. Et en fait, si on les aide, eh ben on pourra profiter de certains avantages par la suite. Donc là, je vais le faire et vous allez comprendre en fait à quoi ça sert. Pour qui t'en tuer ? Meurs infidèle ! Fais tes prières ! Personne ne peut espérer me vaincre. On va essayer de s'en débarrasser assez vite. Je n'ai pas de temps à faire. Ouais. Ça ne sera pas très difficile. Par terre, comme ça, ça va être facile pour le dégommer si j'y arrive. J'ai pas réussi. Ah ouais, ça c'est bon. Toi aussi. Voilà, c'est bon. Merci. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Voilà. Et en fait, en l'aidant, eh ben, je vais accéder à un petit bonus. Alors après, ça dépend desquels c'est. Mais là, pour le cas, c'est les érudits, en fait. Et comme ils l'ont expliqué, en fait, durant un tutoriel, les érudits, on peut se planquer parmi eux. Notamment pour entrer dans la ville. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, tout simplement. Donc là, on est devant l'entrée de Damas, en fait. Sauf qu'il y a plein de soldats devant. Et normalement... Ils vont pas vouloir nous laisser rentrer. Tu as un problème ? Hey, voilà. Ton visage m'est familier. C'est ça le problème. Et donc du coup, avec les érudits, en fait, en ayant aidé ce pauvre... Qu'est-ce que tu veux ? Pauvre garçon surmené par eux. Eh ben, je vais passer inaperçu. Et je vais pouvoir rentrer comme ça au KLM comme une lettre à la poste. Il suffit juste de mettre en mode prière. Je sais que vous ne me voulez aucun mal. Mais faites la peine. Ils ont fini parce qu'en fait je les ai bousculés, donc ils sont pas trop contents. Voilà, c'est bon. Et en fait là, c'est même pas moi qui joue, en fait. J'ai juste à rester appuyé sur croix pour être dans la dissimulée, et je suis. Voilà. Je suis le groupe d'érudits, donc du coup je vais passer tranquillou la frontière, entre guillemets, des soldats, quoi. Et je vais pouvoir rentrer à Damas. Et donc, comme je disais, c'était dans le premier épisode, bah, cette fonctionnalité-là, en fait, existe que dans le premier jeu, en fait. Que dans Assassin's Creed 1. Après, il y a d'autres moyens de se cacher dans les fouilles, mais les érudits et tout, ça ne fonctionne plus. Bah, après, c'est vrai que là, les érudits sont un peu différents, parce que là, du coup, vu qu'on est dans une ville musulmane, pour le coup, les croyants ne sont pas habillés pareil, vous voyez, ils ont une espèce de foulard sur la tête, alors que... Si j'avais été, par exemple, je dis à Acropish, parce que là-bas, il me semble que c'est bien les Templiers qui gèrent ça. Donc c'est des chrétiens. Et bah, ils ont des... un peu des capuches comme moi, en fait. Donc ça correspond plus. Enfin, c'est plus logique que je me planque là-bas qu'avec eux. Donc là, c'est bon. Une fois que je suis rentré, maintenant, je suis tranquille. Donc là, apparemment, lui aussi est malmené, mais c'est un peu compliqué là pour l'instant, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Donc, je vais éviter de trop chercher la merde pour l'instant. On verra plus tard. Dieu t'a abandonné. Écoutez tous. Donc, je vais prendre un point d'observation pour voir un petit peu, parce que là, je suis dans une nouvelle ville en fait, même une map. N'affiche pas grand chose. Et là, je vous rappelle que l'objectif, en fait, c'est aller voir la cellule assassin. Et pour ça, avant de la localiser, bah, il faut grimper et avoir la tour d'observation. Donc, on entend en arrière-plan, il y a des crieurs encore qui répandent leurs bonnes paroles, comme on dit. Donc, voilà, à chaque fois, il y en a qui sont pour Saladin, il y en a qui sont pour Richard Cœur de Lion. Il y en a qui sont pour Al-Mu'alli, et puis tout ça aussi, il y a les contre, hein, du coup. Quand t'es pour quelqu'un, t'es contre les autres, normal.
Donc voilà, premier point d'observation acquis. Donc c'est vraiment sympa hein, de pouvoir faire du... C'est, encore une fois, c'est du tourisme virtuel, comme je disais avec Yakuza, ou bah, c'est du tourisme au Japon. Bah là, c'est du tourisme dans le passé, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, là, ça y est, sur la minimap, vous voyez qu'il y a des nouveaux icônes qui sont affichées. On va les regarder en détail. Et en fait, si on zoome, on peut voir que... Alors, je vais retirer le curse. Je veux le retirer. C'est possible, non, il veut pas... Bon, il reste par défaut. Là, vous voyez, ce petit icône-là, c'est secourir un citoyen. Là, ici, il y a un mec apparemment à voler. Et après, il peut y avoir d'autres symboles. Genre, je sais pas, tuer quelqu'un, peut-être, ou des choses comme ça. Et donc, le truc assassin est là-bas, en fait. Le bureau. Donc, je vais me diriger là-bas. Il est 40 minutes, mais ça va vraiment être notre objectif. Et donc, du coup, on fera une petite discute avec le chef de du bureau d'assassin sur place, et puis on verra après. Je pense que ça suffira pour cette vidéo, en tout cas. Donc là, pour l'instant, au début, je prends vraiment mon temps, je dis ce que j'ai à dire, entre guillemets. Puis après, on avancera dans le jeu petit à petit. Le roi infidèle rêve de nous voir disparaître de la surface de la Terre. Nous devons lui résister. Nous devons le repousser. Donc voilà, puis après on voit un petit peu les différents monuments, c'est toujours sympa. Alors c'est marrant parce que je disais, cette musique là on l'entend jamais. Et puis tout à l'heure on n'arrête pas de l'entendre, du coup c'est assez comique. C'est l'histoire de me contredire quoi. C'est « Hein, t'as dit quelque chose ?» Non, je crois pas, non. Voilà, c'est ça. Puis c'est un petit peu la même chose que Prince of Persia, ce que j'avais dit, je crois que c'était dans l'épisode 1 de Prince of Persia, où je disais que bah c'est bien aussi de voir un petit peu le Moyen-Orient différemment que juste dans les jeux de guerre, en fait. Et ça, c'est à peu près pareil, enfin, cette critique-là est valable aussi pour Assassin's Creed. C'est que, bah, on est pas, il n'y a pas que les Call of Duty, on lutte des terroristes, en fait, le Moyen-Orient aussi, c'est, il y a quand même une civilisation là-bas, malgré ce qu'on en dit. Donc c'est toujours sympa aussi de voir un petit peu ce qu'il y a sur place, quoi. C'est très joli. J'aime bien ces petites ambiances posées où tu vas te reposer ici en attendant la cible que tu dois tuer. Donc voilà, là on est dans le bureau des assassins, en fait. Là on est vraiment à l'entrée, on va dire la salle d'attente, la salle de repos. Et ici il y a donc celui à qui on va parler. Altaïr, quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. N'y pensons plus. Je viens de quitter certains de tes frères. Si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos, je suis certain que tu leur aurais tranché la gorge. Laisse-les dire. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo, n'est-ce pas ? Cela suffit. Oh, excuse-moi. J'ai parfois tendance à m'égarer. Quelle affaire t'amène à Damas ? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. Dis-moi où je peux le trouver. Tu n'as tout de même pas oublié comment traquer une proie. Bien sûr que non. Il faut connaître ses déplacements. Mais ce genre de mission est réservé à... Ah, je vois. Va parcourir la ville. Découvre ce qu'il conspire et où il travaille. Sans préparation, impossible de réussir. Que peux-tu me dire à son sujet ? Tamir gagne sa vie grâce au marché noir. Voilà pourquoi il faut que tu te rendes dans le quartier des souks. Tu dois te concentrer sur les endroits suivants. Le petit souk au nord-est. La madrassa à l'est et les jardins au nord. Limite-toi à ces trois endroits et tu en apprendras beaucoup. J'imagine que tu souhaites me revoir quand j'en aurai fini. Oui, reviens me voir. Je te donnerai la plume d'Al-Mualim et tu pourras tuer Tamir. Comme tu voudras. Souviens-toi, Altaïr. Si tu te retrouves dans une situation délicate et que les habitants deviennent hostiles, reviens ici. Je te tiendrai à l'abri de l'orage. Sache que si l'ennemi est trop proche, je garderai porte close tant que tu ne l'auras pas semé. Tu as compris ? Bien sûr. Si l'ennemi entrait ici, toute la fraternité serait menacée. Exactement. Vas-y maintenant. Voilà, donc il nous explique qu'ici c'est un refuge, mais quand même on peut pas ramener non plus les ennemis ici. Donc il faut les avoir semés si on veut pouvoir entrer. Parce qu'en fait, tout simplement, là si on grimpe, vous voyez une espèce de grille en fait. Et cette grille-là est fermée. Si s'il y a trop de méchants, on va dire, aux environs.
Et donc du coup là, il nous a dit qu'on devait aller dans certaines zones du coup pour savoir si... Enfin, pour avoir des informations sur ce fameux Tamir du coup. Donc on verra ça en tout cas dans la vidéo suivante. Et ouais, il y a un dernier truc que je voulais dire par rapport à Al-Mualim, ils ont dit que du coup, pour assassiner la cible, il lui faudra la plume d'Al-Mualim, pardon. En fait, ça c'est une espèce de rituel qu'ils ont, que en fait à chaque fois qu'ils tuent une cible comme ça qui était annoncée comme voilà personne à tuer en gros, et ben une fois que cette personne est tuée, ben avec une plume en fait ils balayent le cou en fait là où il est mort en fait tout simplement. Ils balayent la plume pour avoir du sang de la victime en gros, et puis après il donne la plume. En fait, c'est une espèce de preuve d'avoir tué. En gros. Donc là, je vais prendre un petit point d'observation et je pense qu'on s'arrêtera là juste après. Mais je commence un petit peu à arpenter les lieux, histoire de prendre un petit peu d'avance pour l'épisode suivant. Et du coup, d'avancer sur cette fameuse enquête pour trouver Tamir. Donc voilà, alors là, c'est silencieux. Je sais pas pourquoi il n'y a plus aucun bruitage. Enfin, mis à part celui d'Alter quand il grimpe, mais il n'y a plus de musique, plus de son d'ambiance. Les gens sont devenus muets, pour le coup. C'est assez marrant. Hop, et on synchronise. Donc là, on aura peut-être du coup débloqué les fameuses infos pour Tamir. Alors, qui indique ma minimap? Apparemment, il y a quelqu'un écouté par là-bas, donc on est plutôt en bonne voie. Alors, est-ce qu'il y a un autre pont? Je pourrais me synchroniser là-bas, peut-être? Je vais tenter. Hop là. Allez, on va essayer de se synchro là-bas aussi, regardez. Ça serait cool, en plus c'est pas très long. Tu vas faire des affaires? Je suis ton homme! Allez, viens! Hop là. Vous voyez, c'est très très fluide en fait de se déplacer, alors que dans un jeu qui se voudrait horizontal, entre guillemets, en gros être une personne lambda, bah, faudrait courir dans les ruelles, se ramasser les foules sur la gueule et tout, et du coup on perd extrêmement on perd beaucoup de temps quoi. Que là en fait, avec ce système de parcours, cette évolution en utilisant la verticalité du niveau, bah, ça permet de... d'arpenter la ville très rapidement en fait, de sautant de toit en toit, de fenêtre en fenêtre, etc. Donc c'est vraiment cool. Comme je disais, c'était vraiment un point super sympa au début de la série en fait. Quand je dis au début de la série, surtout le côté découverte en fait de ce système-là et cette découverte de pseudo-liberté que nous accorde le jeu en fait. Parce qu'après, bien entendu, à force, quand on joue à pas mal d'Assassin's Creed, bah, ça devient une habitude en fait de se déplacer comme ça. Et donc du coup, ce n'est plus le même sentiment de liberté qu'on pouvait avoir par le passé, en fait. Ah merde, pourquoi il a pas voulu choper, là? Bah loup, ça. On va réessayer, on a un point l'échafaudage. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Bah qu'est-ce que je fais? Je fais mon exercice du matin, qu'est-ce que tu crois? Faut rester en forme. Ah, il veut pas choper. On va essayer de passer à un autre endroit. Alors, le système de régénération de vie, en fait... Tu as un problème? Non, ça va, je n'ai pas de problème. Dans ce jeu-là, en fait, se régénère automatiquement. Contrairement à, par exemple, Assassin's Creed 2, où... alors, peut-être qu'il y a aussi une manière de se régénérer automatiquement, mais c'est pas pratique, quoi. Mais dans Assassin's Creed 2, en fait, il y avait des systèmes de potions et tout. Que dans le premier, c'est vraiment... au fur et à mesure, faut attendre en fait. Quand t'as plus de vie, l'idéal c'est de fuir et d'attendre que la vie se régénère. Ou de se planquer pour être à l'abri des ennemis temporairement, en tout cas. Et voilà. Alors, salut bonhomme, ça te dérange pas. Voilà, parce que je pense qu'il va pas apprécier que je reste là trop longtemps. Voilà, et dodo. Et donc ici, je me synchronise. Là, la tour est un peu différente, hein. On sent les influences un peu plus européennes, je dirais. Bon, elle est un petit peu cassée aussi. Alors, du coup, est-ce que je vais pouvoir sauter d'ici ou est-ce qu'il y a une charrette? Que je me suicide pas, ça serait bien.
Alors, charrette, charrette, charrette. Ah, là, il y a un tas de fonds, là-haut. Ah, parfait, il y a un truc en bois. Du coup, je vais tenter d'aller en face, aussi. Pourquoi pas. C'est à côté. Donc, ça peut se faire relativement vite, hein, les points d'observation. Mais en gros, ça sera tout le temps ça, en fait. Quand on arrive dans une nouvelle zone, c'est points d'observation. Et après, go au bureau des assassins. Ah, apparemment, c'est dans une zone inaccessible pour le moment. Ok. Donc, c'est pas la peine que j'y aille à celui-ci. Je vais regarder la map un petit peu pour voir où j'en suis. Donc, apparemment, toute cette zone-là n'est pas accessible. Donc, là où je peux aller, ça serait celui-là, éventuellement. Ou repartir un peu plus par là-bas, parce que c'est vrai que là, c'est flou. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Ouais. Histoire de voir toute la map, même si j'ai pas tous les points d'observation, au moins je la verrai correctement, quoi. Donc là par contre c'est un peu plus loin, hein. J'ai beau aller vite dans mes déplacements, ça demande un peu plus de temps parce que là c'est vraiment à l'opposé du quartier. Donc là ça, on entend la voix des gens, ça change de tout à l'heure où c'était totalement muet, je sais pas trop pourquoi. Allez, grimpe. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane entre Damas et Jérusalem. Mais les affaires marchaient mal. Aucun habitant de Jérusalem ne semblait intéressé par ces produits. Des fruits et légumes provenant des fermes voisines. Alors apparemment, celui-ci, il faudrait que je l'interroge. C'était pas prévu parce que c'est pas affiché. Ils avaient besoin de ravitaillement. Vu que j'ai pas fait le point d'observation, mais ça reste une quête pour Tamir. Donc du coup, bah je vais. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane entre Damas et Jérusalem. Mais les affaires marchaient mal. Aucun habitant de Jérusalem ne semblait intéressé par ces produits. Des fruits et légumes provenant des fermes voisines. Si Tamir n'avait pas été là, les hommes de Salah ad-Din se seraient sans doute retournés contre leur chef. Nous lui devons peut-être la victoire. Donc là, apparemment, il encense Tamir. Je vous conseille de retourner d'où vous venez. Bah écoute, c'est pas d'où je viens, donc qu'est-ce que tu fais ça. Allez, fais ton chemin. Donc lui, il faut que je lui casse la gueule, en fait. Donc faut attendre que d'être dans une zone tranquille. Alors là, il arrête pas de me cramer, c'est chiant. Alors, fais ton chemin. Et en fait, faut attendre, voilà, d'être dans une zone où il n'y a pas grand monde, que je puisse lui casser la gueule tranquillement, on va dire. Donc là, je pense que c'est pas mal, ici. Allez, cassage de gueule. Voilà. Tu sembles bien connaître Tamir. Que prépare-t-il? Je ne connais que les histoires que je compte, rien de plus. Dommage. Je ne te laisserai pas vivre si tu n'as rien à offrir en échange. Attends, attends! Je sais quelque chose. Je t'écoute. Il est très soucieux depuis quelque temps. Il fait fabriquer de grandes quantités d'armes. Et alors? Elles sont destinées à Salah ad-Din. Cela ne m'aide en rien. Et cela ne t'aide pas non plus. Non, elles ne sont pas pour Salah ad-Din. Mais pour quelqu'un d'autre. Elles portent des emblèmes différents qui me sont inconnus. Apparemment, Tamir vient en aide à une personne que je ne connais pas. Est-ce tout? Oui. Oui. Je t'ai dit tout ce que je savais. Alors te voilà condamné. Et voilà, du coup on a appris qu'apparemment Tamir supervisait une production d'armes un petit peu illégale hein, pour le coup. Parce qu'apparemment c'est pas pour le compte de Salah ad-Din. Donc en fait eux ils disent Salah ad-Din comme ça, mais c'est Saladin en fait. Hein. C'est juste la prononciation orientale on va dire pour le coup. Mais c'est Saladin bien sûr. J'aimerais bien... Bon, puis il y a une échelle là-bas, on va faire ça. J'aimerais juste prendre le pont d'observation, parce qu'à la base, je suis venu pour ça, quand même. Mais bon, vu que le mec était sur le chemin,
Du coup, bah, je commence la quête au passage, on va pas s'en priver. Mais voilà, du coup, après, on va s'arrêter là, une fois qu'on aura pris ce point d'observation. Ça fera déjà une bonne vidéo, pour le coup. Donc, en fait, après, à chaque cible, en fait, il y aura ce côté interrogatoire. Et, enfin, interrogatoire ou écouter des gens parler ou dérober des objets, des choses comme ça. Évidemment, c'est varié. Mais je crois qu'il faut en faire deux des trois au minimum, en fait, pour accéder à l'assassinat, en fait, de la cible. Mais après, c'est quelque chose qui avait été plus ou moins critiqué. Parce que, bon, à l'époque, honnêtement, je trouve que moi, ça me gênait pas trop. J'avais pas trop vu ce genre de plainte sur la répétitivité de ça, en fait, le fait de toujours se renseigner et puis après passer à la cible, en sachant que ça faut le faire 9 fois du coup, puisqu'on a 9 cibles en tout. Mais c'est vrai qu'après, avec les Assassin's Creed suivants, vu qu'il y a eu beaucoup plus de diversité, on disait souvent que le 1 du coup était très répétitif, mais bon, je trouve que honnêtement, quand le jeu est sorti, il me semble pas qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était répétitif ou quoi, quoi. Donc voilà. Donc voilà, petite synchronisation au KLM. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode déjà bien chargé où on aura exploré un petit peu Damas en sachant qu'on n'a pas vu grand chose hein, finalement de Damas. Enfin, on voit surtout les toits pour l'instant, mais bon, y a des choses qu'on ne voit pas forcément parce que ce n'est pas encore accessible. Mais voilà, après on pourrait y rester des heures hein, rien qu'à explorer. Voilà, ça dépend aussi des endroits, parce qu'il y a des endroits, c'est vraiment des duplications de même maison, c'est juste qu'elles sont orientées différemment, donc ça en vaut pas la peine, mais tout ce qui est monument, c'est quand même assez intéressant, je trouve, à voir. Bah, c'est toujours sympa, du coup, à visiter, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous retiens pas plus longtemps, en espérant que, du coup, cet épisode sur Assassin's Creed vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine du coup pour la suite. Allez, à plus !